Salut tout le monde, c'est Wazi, j'espère que vous allez bien les gars. Pour en part, ça va vraiment tranquillou. Juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui fait vraiment toujours chaud au cœur, t'as vu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui envoie de la patate comme toujours. Donc je fais cette petite vidéo pour vous informer d'une petite news, d'un petit sujet marrant assez funny, tu vois. Donc c'est un truc qui s'est passé récemment, genre il y a 3 jours. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, vous savez comment ça se passe les 31 décembre au soir, la nuit du nouvel an, à quelques heures du changement d'année. Il y a souvent des cases, des voitures brûlées ou même des bagarres. Bref, aux States, ils sont pas comme nous, tu vois. Je pense qu'ils sont vraiment dans le futur, eux. Vous connaissez sûrement le si célèbre panneau Hollywood sur la colline à Los Angeles. Vous l'avez obligatoirement vu quelque part, que ce soit dans des clips musicaux, dans des films américains ou même dans des pubs. Bref, obligé, vous le connaissez. Et si c'est pas le cas, bah sors un peu de ta grotte, s'il te plaît. Non, plus sérieusement, un groupe de personnes se sont amusés à trafiquer, enfin à modifier légèrement le logo Hollywood. Donc vous aurez des images à l'écran pour pouvoir voir un petit aperçu. Comme vous le voyez ci-dessous, ils ont transformé le logo Hollywood en Hollywood. Donc pas besoin de vous dire ce que ça veut dire weed, mais bon, je pense quand même que vous savez. Mais bon, pour les incultes, je vais quand même vous dire c'est quoi. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la marijuana, le cannabis, etc. En fait, tout ce qui se fume. Donc comme vous le voyez à l'écran, pour procéder à ce changement, ils ont tout simplement placé des tissus blancs au milieu des deux O au centre pour faire la barre du E, et des tissus noirs avec comme motif peace and love et un petit cœur en bas à droite du haut pour faire genre comme une petite séparation. Donc à cette heure-là, les individus sont toujours recherchés par la police. Mais bon, vu qu'ils ont pas vraiment dégradé, abîmé ou même sali le panneau et qu'ils ont juste rajouté des tissus, c'est pas vraiment de la dégradation, ils ont pas fait des tags, etc. Donc c'est plutôt un délire bon enfant. Donc je pense quand même que les policiers se donnent pas vraiment à fond pour les rechercher, car c'est pas vraiment un truc de malade. Je trouve ça plus trop drôle et bon délire, mais bon, après je pense qu'ils vont quand même l'enlever si c'est pas déjà fait à l'heure où je vous parle. Aussi, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire de ce que vous pensez de tout ça, et si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça vous a fait rire ou pas. Enfin voilà, les potos, la vidéo touche à sa fin. Je sais que vous êtes déjà triste que ce soit fini, mais ne vous inquiétez pas, je reviens très bientôt sur la chaîne. Donc en gros, samedi pour une nouvelle vidéo à 19h comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'aimerais beaucoup atteindre 1K, alors je compte sur vous pour vous abonner un maximum. Bref, sur ce, c'était Wazi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace. Quand je dis pouce, vous dites bleu. Pouce bleu, pouce bleu. T'as aimé la vidéo, lâche un pouce.